bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. On connaissait la version briochée sucrée des lapins de Pâques. Je vous propose la version salée au fromage à présenter lors de votre repas de Pâques, ou pourquoi pas à l'apéritif. Dans un bol pétrisseur, j'ai mis le lait tiède, la levure, l'eau chaude, le beurre fondu, la farine, le sel, le sucre. Et je pétris maintenant pendant 8 minutes environ à vitesse moyenne. Au bout des 8 minutes, dans la cuve, j'ajoute le fromage, le emmental râpé, ainsi que la brousse, et je pétris de nouveau 2 minutes. Voilà, j'ai fini la partie de pétrissage. Vous voyez, la pâte ne colle quasiment pas. Donc je l'enlève de mon crochet. Voilà, maintenant je vais placer le tout dans un four pendant une heure, un four que j'ai préchauffé à 50 degrés puis que j'ai éteint. Ainsi ma pâte va lever au chaud, mais bien sûr je n'oublie pas de couvrir cette cuve. Pendant que mon four est en train de préchauffer à 180 degrés, je réalise le façonnage de mes lapins. Pour ça, je réalise 16 boules de 45 grammes, puis 16 boules de 25 grammes. Et pour finir, 16 boules de 5 grammes. Je façonne un long boudin. Ce boudin, je viens le rouler comme un escargot. Ensuite, je prends la boule de 25 grammes, je réalise un ovale. Un ovale dans lequel je détaille les oreilles que je viens placer de cette façon. Je pique avec un poivre noir de manière à réaliser l'œil. Et puis avec la boule de 5 grammes, je réalise la petite queue. Voilà, mon premier lapin est réalisé. Je remplis ma plaque avant d'enfourner le tout pour 15 minutes à 180 degrés après avoir badigeonné les brioches de lait. Je n'oublie pas d'introduire au centre du ce qu'on pourrait appeler le ventre un cube de fromage Comté Beaufort que vous avez. Ces petits pains sont à déguster le jour même, mais pourquoi pas les congeler au préalable et les sortir le jour de votre repas. Il suffira juste de les passer soit au grille-pain, soit au four pour qu'ils retrouvent leur moelleux. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.